Les amis, ici Sergent Couscous. Comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis habillé de façon très bien parce que pour vous, j'ai un véhicule de keuf. J'ai un véhicule de keuf sous dopamine, survitaminé, sous stéroïdes. Le véhicule que tout policier rêve d'avoir, les amis, je vous présente le Dodge Charger Hellshot. Regardez les gens. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, un moment de silence pour le Hellshot. Les gens, je dois faire le petit tour. Ok, je vais vous mettre des cinématiques live. Attendez, ce sera pas bien long, histoire que ça va être super sexy et professionnel. Hello. I would like to confess to a murder. Okay. Well, so where are you? I actually, I'm on a street. In Montreal. I don't know where that street is. Well, you need to know if you want me to send somebody. Yeah, that's true. That's true, Wayne. I'm near a parking garage. Okay, you need to be more specific. I need an address or intersection. I'm going to find a street name. An address. Oh, that might work. How is my 1731 Mikado. Does that work? What's the name of the street? Mikado? How do you spell it? Mikado. House. I'm gonna go up to the corner of the street and see the street. Here's the street. Ontario and Savoie. Okay. Are you gonna stay on the corner? Yes, sir. Okay. I will stay. Bon, maintenant que je vous ai fait les petites cinématiques sympathiques, on revient à la vidéo, les gens. Donc, on est devant un Dodge Charger SRT Hellshot 2015. Désolé, je dis Hellshot, je sais pas pourquoi, parce que je trouve le mot grave kiffant, c'est un Hellcat. En réalité, le vrai nom est non Hellshot. Donc, si vous voyez que je dis le mot Hellshot, c'est parce que moi, les Hellcats, je les ai toujours appelés comme ça. Donc 707 chevaux, 650 de torque, les gens. C'est un véhicule qui est fantasmacroyable, super puissant. C'est la guerre. C'est un véhicule aussi, les gens, j'aimerais vous sensibiliser là-dessus, qui n'est pas fait pour tout le monde et je ne le laisserai même pas à des policiers parce que c'est un véhicule qui est très, 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 très dangereux. Une erreur, tu glisses, tu es dans le champ, il ne pardonne pas. Ce véhicule pardonne à personne, il ne pardonne pas aux petits joueurs. C'est un monstre. V8, 6 litres 2, frérot, propulsion, c'est la guerre. On va commencer par l'arrière, les refs. Regardez-moi l'aileron. Regardez-moi l'agressivité de cet aileron américain, la caméra iPhone 13. Regardez comment c'est marqué Dodge. Ouais, les Français, les Européens qui regardent mes vidéos, vous savez pourquoi nous, ici, en Amérique, on n'est pas ouf devant ces véhicules, même si c'est ouf. C'est un véhicule très puissant et c'est ouf, c'est parce que les keufs, c'est ça leur caisse, mec. T'imagines, tu vois la caisse à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, parce que c'est la voiture des Condés. Ah frérot, t'es lassé. Même s'ils ont le 3.5 Penstar, puis peut-être des fois, il y en a quelques-unes qui ont les 5.7 Hemi. T'es lassé pareil de voir cette voiture, frérot. Regardez ça. Regardez l'arrière. Ah, regardez les aérations arrière. Super jolie, super sexy. Oh ouais, j'adore cette voiture. Oh ouais. Si je serais keuf,
Ça aurait été ça ma caisse, frérot. Moi, je veux ça, frérot. Je me promène, je vais tracer tous les criminels avec ça, frérot. Le criminel, il est en AMG, pas grave. J'ai un Hellshot. Donc, pour te rappeler que c'est une SRT aussi, tu comprends, Dodge. Regardez la lumière, la gueule de cette lumière. Regardez les tuyaux d'échappement. C'est la guerre, mon gars. Ça, c'est NASCAR. Cette voiture, c'est NASCAR. Ah ouais, c'est NASCAR, mon gars. Blaney to the outside, oh! To the inside. Here comes Hamlin up the outside. Wow! Crash into the wall, into the air goes Newman. Upside down. In a shower of sparks on his roof, Ryan Newman comes across the line fourth and comes to rest. As far as who crossed the finish line first. Newman got turned, went up in the air. As he came down, was hit by another car and launched skyward, coming down on his roof. The AMR safety team is there quickly to attend to Ryan Newman. NASCAR, ceux et celles qui connaissent NASCAR, c'est ça, c'est NASCAR. Donc là, vous voyez, regardez l'aileron, comment il est. Ici, oh, wow, wow, découpé en trois, rabaissé ici un peu. Ça donne un air super joli, frérot. Super, super, super joli, frérot. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Parce que si j'ouvre l'auto, ça s'ouvre. Ou c'est vraiment de l'intérieur? Ok, c'est vraiment de l'intérieur. Je vais vous ouvrir la trappe à essence, les gens, pour qu'on regarde. Qu'est-ce que ce Hellshot consomme? La trappe à essence, elle est où? Elle est où sur ce Hellshot, la trappe à essence? Zabé, je connais pas la trappe à essence sur le Hellshot. Non, c'est pas comme ça. Je vais la niquer. Ah, elle est là. Ok, je l'ai trouvé. Ah, je suis trop con. Ah, la dernière fois que j'ai conduit un véhicule comme ça, c'était il y a 2 ans, frérot. Ok. Voilà. Regardez les trous ici. Super agréable. Ici, le vent, la petite lumière de côté. Super joli. Les pneus, on est sur des Farod. Ça, frérot, je sais pas si c'est bon, frère. On est sur des 215-40 R20, des 20 pouces qui ont mangé le trottoir, malheureusement. Les disques Brembo, ça doit freiner en tabarnak. Il y a combien de pipis là-dedans? Je pense que c'est 6 pistons, ça. Aïe, 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 c'est la guerre. Regardez le toit. Les Américains et leurs petites antennes dissimulées, ils aiment pas ça, ils aiment plus ça mettre des grosses antennes de requins, les ricains, frère. Regardez la vitre arrière, voilà. Donc là, je vais vous montrer le côté de la bête, du Hellshot. Regardez par vous-même. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable quand même. Hein. Regardez. Ici, pour locker et ouvrir les poignées, il y a les boutons, super pratiques. Voilà. Regardez le bas de caisse. Dans le fond, vous voyez, de l'extérieur, c'est pas waouh, c'est simple. Il y a plus de détails. On sent qu'on est dans une Hellcat, mais ça reste un Charger, tu comprends? C'est pas waouh, mais c'est agressif avec tout ça, frérot. Ah ouais, regardez l'avant, regardez là. Les spots d'air à l'avant, frérot, regardez ça. Pff, c'est du lourd, frère. Ah ouais, c'est du lourd. Regardez les freins en avant, ils sont un peu plus gros. Waouh, super joli les 20 pouces. Très beau mag. Regardez l'avant, la lumière Dodge. On va allumer. Vous puissiez voir. Ah ouais, les lumières de keuf, frérot. Oh là là, elle a un œil, frère, cette caisse. Dodge, ici, frérot, tu vois. Regardez l'avant. Moi, j'adore l'avant de cette caisse. L'avant de cette caisse, ça fait vraiment NASCAR, mon gars. It was closer than that. Avec toutes les... Oh mon Dieu, frérot, tu cours avec ça, frérot. C'est la guerre. Regardez la prise d'air pour... refroidir le gros cylindre de Supercharge. Les deux petites prises d'air ici, incroyables aussi. Donc les gens, on va faire le test du rétro. On va ouvrir le coffre et je vous montre le moteur. Et après on fait l'intérieur. Et on commence notre shift de policier. Allez, c'est parti. Je vous ouvre le coffre. Voici le coffre du Hellshot. Ouais, les Dodge Charger ont quand même des bons coffres, même. So, on peut mettre 3 cadavres bien entassés facilement dans un coffre de Charger, frérot. Ah ouais, super joli.
Putain, regardez l'aileron, comment il découpe ici. C'est trop méchant, frère. Je pourrais limite fermer le coffre comme ça, frérot, tellement c'est insolent. Incroyable, frérot. Là, maintenant, je vais vous montrer... Ah ouais. Ah ouais, je vais vous montrer le fameux moteur du Hellchat. Hein? Oh là là. Oh là là. Ça, ça va être la guerre, frérot. Préparez-vous. C'est un gros moteur comme celui de l'une de mes premières vidéos avec le C63. Là, c'est un 6 litres 2 aussi. Comme le C63 AMG 2013 que j'avais filmé. Regardez ça. Une minute de silence, je parle pas, je vous laisse regarder. C'est trop beau. Voilà, c'est trop beau, frère. Voilà, frère, c'est truc de ouf, comment c'est beau. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde, frérot. Oh putain de merde. C'est un gros moteur, il n'y a aucune place pour travailler. Il y a une pièce qui pète dans ce moteur. T'es foutu, mon gars. T'es foutu. C'est incroyable, la batterie. Bordel, on est devant le Saint Graal du NASCAR, frérot, je pense. SRT Hellchat, mon frérot. Oh là 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 là, regardez-moi cette pièce. Oh là là, comment c'est solide. Oh là là, comment c'est solide. Oh là là, qu'est-ce que vous en pensez si on allume ce Hellchat? Hein? On va l'allumer, frérot. On va pas le rave encore, mais on va l'allumer. Mais avant de l'allumer, j'aimerais faire le test du rétro. Rétroviseur typique américain, plastoc, frérot, tu vois. Rien de waouh. Non. Non, avant de l'allumer, j'aimerais faire l'intérieur, d'accord? On va garder ça pour plus tard. Mais j'aimerais prendre une photo Robocop. J'aimerais prendre une photo Robocop d'abord. Regarde. Ouais, comme ça. Waouh, il a de la gueule, c'est un chat, mon gars. Allez, ref, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, un abonnement, ça, c'est du lourd. Ce truc, ça envoie, les refs. Je vous dis ce truc. Ah ouais, frérot, ça envoie. Ah ouais. Putain, qu'est-ce qu'il a de la gueule, frérot. J'adore vous montrer ce véhicule dans tous ses angles, parce que toutes ses formes sont simples, courbées, jolies. Je vous dis, je l'aurais trouvé encore plus beau si ça n'aurait pas été un véhicule de keuf. Les keufs ici à Montréal, ils se promènent en chargeur, frère. Putain, j'ai le seum. Bon, on passe à l'intérieur, on passe à l'arrière. Oh mon dieu, la dernière fois que je suis monté à l'arrière de ça, frérot, j'étais menotté, frère. Aïe, aïe, ça me rappelle que des mauvais souvenirs, ces chargeurs, frérot. Mais au moins, là, au moins, on monte dans la classe. Oh, il y a de la bouffe ici. Ça te comme. On monte, regardez. On va commencer par le panneau de porte, d'accord. Des surpiqûres ici, super sympathiques, qui me rappellent Infinity. Je sais pas s'il y en a qui ont checké ma vidéo avec les Infinity, quand je parlais du panneau de porte avec les lignes ici. Donc, typique américain, cuir, plastoc, piano black, rien de waouh, tu comprends. C'est typique d'intérieur américain. La force des Américains, c'est vraiment leur intérieur spacieux puis salon. Comme vous pouvez voir les sièges, comment ils sont énormes. Et tout mou, frérot, tu vois, comme un sofa. C'est ça la force des Américains, c'est leur siège. Tu comprends, on va s'asseoir, on va tester ça, frérot. Oh ouais, je suis fucking bien assis, frère. Et pour une fois, je suis assis à l'arrière d'un charger sans m'en aller aussi haut ou en cellule, frère. C'est incroyable. Ah ouais, il y a de la place pour la tête. C'est bien dégagé. C'est super agréable, frérot. Grosse lunette arrière, hein. Par contre, quand j'y pense, la vitre, elle est énorme, frère. Regardez. La vitre, regardez, elle commence où il y a ma tête, frère. Tu vois, ma tête touche la vitre. La vitre, elle est énorme, frérot. Faut que j'enlève mon chapeau de keuf. Je commence à avoir chaud, frérot, hein. Fouh, putain. C'est... Fouh, je sais pas comment les policiers font pour porter un... Mais c'est vrai que c'est un chapeau d'hiver aussi. C'est pas une casquette, moi, j'abuse. Bon, on continue la vidéo sans, c'est pas grave. Oh. Donc l'arrière, ça va, simple, chargeur, tu vois, les surpiqûres, siège perforé. Est-ce qu'il y a siège chauffant à l'arrière? Ouais, on a siège chauffant, on a deux ports USB, deux niveaux de siège chauffant, super sympathique, la clim. Tu vois, frérot, le truc des riches que je vous parle toujours, voilà, il est là. On a même un petit rangement super sympathique. La ceinture, elle est super jolie, le matériau est bien choisi. Ah ouais, ah ouais. Les petits rappels en rouge pour rappeler qu'on est dans une Hellchat, je pense, SRT Hellchat, tu comprends? Ah ouais. Là, déjà, on va passer à l'avant. On peut fermer et ouvrir les portes ici, vous voyez? Donc là, j'ai fermé les portes, là, je les ouvre.
Donc on a le panneau de porte avant, frérot. Oh, ici on a des bouches de clim sympathiques. Ça c'est quoi ça? Si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça, ça serait apprécié. Ah, ils sont trop intelligents. Ok, c'est la clim de ça qui se connecte à ça. Ok, tu comprends? La clim, quand tu fermes la porte, ça se connecte. Ça c'est un joint pour pas que l'air s'échappe. Et la clim sort par là. Oh, c'est super intelligent, regardez. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on ferme la porte, vous voyez, ça va se connecter. Puis après le froid va sortir par là ou le chaud, ce que tu veux, frérot. Super génie. Bon, continue. Cuir comme d'habitude, piano black, comme je vous ai expliqué dans le panneau de porte arrière, ça change pas. Aluminium, tu vois, siège mémoire. Oh putain qu'il est confortable ce siège. Sérieusement, c'est un gros salon américain. Mais avant d'allumer le queutru, on l'a mis sur accessoire. Oh, le siège avance. C'est cool ça. Je veux se ressortir et vous montrer. Oh, c'est des Harman Kardon les speakers, ça va hein. Je vais sortir et vous montrer le siège, à quel point il est incroyable, regardez ça. SRT frérot. Ah ouais frérot. On est dans quelque chose de très très sérieux quoi. Oh, je m'assis. Je dépose la caméra ici 2 secondes déjà. J'ai mis accessoires sur on. Là on va regarder les menus ensemble. D'accord. Ok. Red key. Oh mon dieu, on a la clé rouge les gens, c'est vrai, la plus puissante, elle est là. Ça c'est la clé la plus dangereuse qui libère les 700 chevaux frérot. Parce que tu peux avoir la clé noire, je pense qu'elle te laisse 500 ou 600 chevaux. Mais elle libère toute la puissance du véhicule frérot. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le média comme d'habitude chez Dodge, je sais pas s'il y en a qui le connaissent pas, voilà, regarde. On a même les sièges ventilés, c'est magnifique, la radio, tu vois, média pour mettre de la musique frérot. La navigation. Regardez ici le fameux bouton SRT App. Performance Page, tu vois frérot, ça c'est la guerre. Ok, donc là je vais allumer le Hellshot parce que j'aimerais vous faire voir le menu, mais je vais pas vous faire écouter la sonorité encore, juste l'allumer. Histoire que vous puissiez, puissiez voir de quoi ça a l'air. J'arrive pas à l'allumer avec la clé parce que je pense parce que les portes sont ouvertes, ça fait chier. Je reviens, je vais juste aller l'allumer. Je vous dépose ici. Prendre la route tantôt, vous allez entendre le supercharge. Pour voilà d'où le nom L4. Vous allez juste entendre ça. Tu comprends frérot? Ah ouais, c'est un gros moteur ça frérot, c'est la guerre. Ah ouais, c'est la guérilla ce L machin frérot. Ah ouais, bon. Là maintenant que j'ai accès au menu performance, là je pourrais tout vous montrer. Donc ici on a le launch, ça c'est launch control, SRT. Regardez ici le menu performance, je peux mettre en mode custom, je choisis par moi-même combien de horsepower je veux, tu comprends, c'est toutes ces conneries là. Ici on a le mode sport, regardez qu'est-ce qui se passe. Ici on a le mode track, ça c'est la guerre frérot. Ce truc là frérot, c'est le gear, c'est le gear. Ici vous avez le menu, ici on a les petites palettes américaines en plastoc qui font chier mais c'est pas grave. Ici c'est un genre de carbone, je sais pas si c'est du vrai carbone, on va pas se mentir, si quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires, mais ça a pas l'air d'être du vrai carbone, mais c'est quand même super joli. Ce qui me tue avec ce véhicule, c'est que le siège est super confortable, c'est un truc de ouf, et puis voilà quoi. Donc je vais vous faire écouter la sonorité de l'intérieur, écoutez ça. Oh putain. Oh là là. Fait une sonorité de ouf, incroyable.
truc de baiser, frérot. Ce truc là il est... Pardon ? Oh, je suis en train de filmer une vidéo, c'est pour ça. Elle a dit c'est très désagréable. C'est normal. C'est un V8, c'est un Dodge Charger L4 de 6.2 litres. Je m'excuse madame, je voulais pas vous déranger. On s'excuse. Pardon ? Si j'en ai pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes, 10 minutes encore. Merci. Ça c'est très dangereux comme voiture, faut être prudent. Bonne journée à vous aussi monsieur. Incroyable ces gens, voilà. Voilà, je donne un coup si je veux, je donne deux coups, trois coups, six coups. Ben ouais, c'est le L4. Et puis c'est ça les gens, man. Voilà, on va juste avancer un peu parce qu'ils cassent les couilles. Voilà, on va juste avancer un peu. J'ai essayé d'être gentil avec ces citoyens, de leur montrer ma passion, ils veulent rien savoir. Tu vois, c'est le L4. C'est le L4, frérot. Tu comprends? C'est ça même. On continue la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez le menu. Désolé les amis, ces citoyens de ma qui sont pas capables de zapper le outre. J'étais là avant eux, en plus casse les coups. Faut que je reprenne ma concentration les gens, désolé. Bon, c'est ça, on disait on était sur le mode track. Vous avez vu, traction street, traction control, on va mettre sport. On va mettre, tu vois, tu peux mettre track. Là, il n'y a plus d'assistance routière. Là, c'est vraiment la guerre, ici tout on voit frérot. Même un keuf, il a peur de toi frérot. Oula, il a peur de toi quand il te voit avec ça. En plus on a la clé rouge frérot. On va bientôt aller faire le petit tour les refs. Donc on se revient. Malheureusement je peux pas conduire, vous savez déjà, mais mon collègue dans l'ombre va conduire le véhicule et on va vous faire entendre la symphonie de ce Hellshot. C'est parti, à tantôt. Ah ouais, il faut pas que j'oublie aussi mon chapeau de capitaine quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Puis voilà quoi. Puis voilà quoi. Donc c'est ça quoi. Donc waouh. On s'en va pour le petit tour même. Est-ce que j'ai oublié quelques autres trucs de l'intérieur? Je pense qu'on a fait le tour, tu vois. Comme toutes les menus, vous avez tout vu avec moi, je pense. Il y a rien d'autre à dire, frérot. Comme c'est du Dodge, quoi, frère. Tu vois le bon mot de vitesse. Désolé, je suis vraiment déstabilisé à cause de la madame. Comme elle est jalouse du L4, tu comprends? Elle a jamais entendu un bruit aussi waouh. C'est, je lui aurais dit c'est une belle voiture, elle m'a dit ouais ouais bonne journée. Ils sont jaloux parce que random vélo, mais random je t'en obéis, frérot. Mais on continue. Donc je vous reviens pour le petit tour. Hein? Donc c'est parti, je commence mon shift. On va aller chasser des criminels. C'est parti les gens, allons chasser des criminels. Oh, la ceinture de sécurité collègue dans l'ombre. Très important. Donc on s'en va sur un appel. Un homme en danger, tu comprends frérot, qui menace sa femme. Alors c'est parti frérot. Putain, ce Hellshot, mon gars, comment vous allez entendre à quel point le bruit comment il s'appelle, du supercharge. Oh frérot, à gauche, à gauche, à gauche, c'est impossible que je te laisse aller avec ça, avec le Hellshot, frérot, ça c'est autoroute direct, frérot. Il n'y a pas de chilling rue avec ça, frérot. Tourne à droite. Yo frérot, est-ce que tu peux me déposer ici 30 secondes? Dépose-moi ici. Je veux que tu fasses une accélération de dehors et moi je te filme faire la ligne droite, ok? Genre quand je reviens ou quand je m'en vais comme ça? Quand tu t'en vas comme ça. Je veux entendre le supercharge, frérot. Je veux entendre le supercharge. Vas-y, frérot, accélère. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, voilà, je vous jure les gens, si les policiers ils se dotent de Hellshot, il n'y aura plus aucun criminel qui va courir dans cette planète, frérot. Il n'y aura plus aucun criminel qui va courir, frérot. Si les policiers se dotent
de ce genre de véhicule. C'est un truc de baiser. Regardez ça. Putain de merde, c'est incroyable, voilà. Quel véhicule incroyable. Quel véhicule. Putain, GTA mon gars, ça me rappelle GTA. Comment il s'appelle le bonhomme Kahlouche là, le bonhomme noir qu'on a au début de GTA là. Trevor, c'est moi, c'est le crasé là. J'oublie là, il conduit une Dodge Charger au début. C'est pas une Hellshot, mais pareil frère. C'est quoi ce truc? Voilà les keufs de mon hood, ils vont être jaloux. Les keufs de mon Tiex, ils vont être jaloux. Eux, ils ont un 3.5, moi je suis dans un 6.2 Hellshot, frérot. Voilà les keufs, ils vont être jaloux, frère. Ah ouais, je me fais plus de plaisir dans cette vie sans permis que les keufs. C'est un truc de ouf, frère. On va aller chasser les criminels. Ouais, frérot, à gauche. Ah ouais. Ah, c'est incroyable ce truc, frérot. Ah putain, c'est lourd, hein. Ça envoie, hein. Putain, frérot. Ah, j'adore patrouiller dans mon quartier avec toi ce matin. C'est très tranquille, frérot. Continue en regardant si on peut trouver peut-être un petit criminel à gauche ou à droite, là, ou un petit revendeur de drogue, là. Même si on trouve un revendeur de drogue en Audi, en Mercedes, on le mange, frère. Voilà, on l'arrête, on l'emmène au poste. Voilà, on le menotte, on l'emmène au poste, frérot. Oh là là. Vas-y, frérot. Montre-nous ce Hellshot, qu'est-ce que c'est qu'un... Putain frérot, t'as peur d'appuyer ou quoi? C'est trop dangereux. Parce qu'elle slide trop là. Ah ouais. On va demander sur l'autoroute. Ah, ok. Putain mais c'est un truc de baiser frérot. Yo, tu te rends même pas compte de la vitesse avec ce truc. 0-0 là. Yo, 700 chevaux frérot, voilà, j'ai envie de dégueuler mon ref. Putain de merde de bruit qu'elle fait frérot. Ah ouais. De merde frérot. Ça devrait être interdit sur nos routes, des caisses comme ça frérot. C'est dangereux mon gars. Ah bah c'est dangereux frérot. Oh putain. Oh putain frérot. Ça c'est quoi? De la Rousselière. On va tourner à gauche pour prendre l'autoroute. Oh putain frérot, c'est... Attends, vu que c'est le feu est rouge, je veux juste descendre, faire un petit tour du véhicule frérot. Fais-nous un petit coup de gaz. Putain de merde, voilà. C'est Hellshot mon gars, frérot. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est la guerre. Vas-y frérot, c'est vert, on réembarque. Attendez les gens, je mets ma ceinture, ce sera pas bien long. Juste, t'as pas... tu vois ton traction control, il est enlevé, tu vas glisser encore plus, on va sécuriser le tout. Regarde là, il a disparu, tu vois quand il est plus jaune, il est plus là. Fais attention parce que tu vas te faire avoir un jour mon gars. Putain frérot, le bruit qu'il fait. Toi c'est quoi que tu kiffes le plus dans cette caisse? Le bruit, man. Le bruit, hein. Mais avoue, sinon ça reste basic, ça reste une whip américaine. Ouais. Si c'est pas du moteur, y a rien. Y a rien. T'es ouais. D'accord ouais. C'est ça, man. Oh putain de merde frérot. Cette caisse là c'est un danger. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Putain de merde frérot. Voilà, t'es en train de tout les chler. Ah ouais. On a glissé sur un temps hein, frérot. Là pour l'autoroute ça va être simple, ça va être à gauche frérot. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là, les gens
regardez ma tête. Regardez ma tête de keuf. Là, je suis un keuf. Je suis en train de patrouiller dans ma zone, mon ref. Normal, frérot. Là, je suis en train de patrouiller dans ma zone comme un keuf. J'ai la classe en plus. Je suis de bonne humeur. Je suis dans un Dodge Charger Hellcat. Je patrouille dans ma zone en Dodge Charger. Les keufs de ma ville, ils patrouillent en 3,5 litres. Moi, je suis dans un 6,2 litres. Eh ouais, frérot. Alhamdoulilah. On profite de la vie, comme on dit, frérot. J'espère que les gens, cette vidéo du Dodge Charger Hellcat vous plaît, de 700 chevaux. Truc de dingue. C'est la NASCAR ici, frérot. Ça rigole up. Et à gauche, mon refrain, l'autoroute. Oh, ouais. Ça, c'est obligé, frérot, que ça va sur l'autoroute. Chat, je l'aurais coupé lui. C'est bien. Comme je t'ai dit, elle est trop comme ouais, c'est la boss. Frérot, c'est une voiture qui est très très dangereuse. Je te l'ai dit plusieurs fois. Va falloir faire attention. Tu fais une erreur, elle pardonne pas. Moi, les gens, dans ma vie, j'ai eu zéro accident responsable. J'ai eu deux accidents, mais c'est les deux fois on m'a foncé dedans. C'est pas de ma faute. Mes esprits, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, lâchez un abonnement et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez un véhicule, une business à présenter, super couscous vlog à commercialhotmail.com. Et puis c'est ça quoi, mon Snapchat super couscous, mon Instagram super couscous, le on le remplace avec un 3. Je viens de finir mon quart de travail de policier dans ma zone avec un Dodge Charger Hellcat de 700 chevaux, frérot. J'ai l'estomac retourné, j'en peux plus, je perds mes mots. Et puis c'est ça quoi. Donc les gens, c'est tout. J'ai plus rien d'autre à vous dire à part qu'on a passé un moment incroyable et j'espère que cette caisse va vous plaire. Les gens, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, un pouce bleu. C'est ça qui m'aide à continuer puis que je regrette pas d'avoir vomi, frérot. Et à bientôt pour de nouvelles aventures quoi. Salut tout le monde. Foutu Hellcat de merde, frérot. Voilà, il est incroyable.